C'est vrai que ces deux mots, euh, culture et télévision, culture et média-télévision, sont des, euh, des mots qui peuvent paraître antagonistes, euh, d'une famille différente, d'une famille qui se font la guerre depuis euh, des décennies. Vous savez, quand on demandait à Mozart euh, ce qu'il euh, pensait de son travail de compositeur, il répondait Je cherche. Je cherche deux notes qui s'aiment. Eh bien moi, toute ma vie professionnelle, j'ai fait en sorte que culture et télévision soient deux notes qui s'aiment. Voilà. Oui, parce que on pourrait penser que la télévision a tendance à nuire à la culture, parce que le temps passé devant certaines émissions de télévision qui ne sont pas forcément des émissions culturelles, c'est du temps en moins consacré à la lecture, consacré aux sorties culturelles, théâtre, musique. Est-ce que la télévision nuit à la culture La télévision ne nuit pas à la culture parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller au théâtre, qui ne peuvent pas aller à l'opéra, qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'accès euh, et la télévision elle est faite pour ça elle est faite pour tout cela c'est pour ça que je pense que le rôle du service public c'est un rôle euh, de, de très important pour tous ceux qui n'ont pas les moyens euh, financiers ou intellectuels de suivre tel ou tel euh, programme et ça ça demande un effort ça demande un effort de la part des, euh, des gens de culture de ne pas parler uniquement à leur père euh, d'être des passeurs, d'être ouvert sur, et d'être généreux quant au savoir qu'ils possèdent, et puis aux professionnels de l'audiovisuel, de prendre conscience de ce rôle-là. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que nous avons essayé de faire, nous, euh, avec mon équipe, quand j'étais président de France Télévisions. Voilà, euh, j'ai essayé, comme je vous le disais au tout début, de faire en sorte que ces deux mots s'aiment.